de faire des passes qui sont effectivement pas toujours très bien. Hardy, Hardy, le but, et le but de Mathieu Lebon, égalisation en pole position des Brûleurs de Loup. Comme quoi, à partout à 2 minutes 45 de la fin du tiers. Comme quoi, quand on suit les rebonds, ça va mieux. Avec Kyle Hardy, ça passe à côté, le rebond et le but de Maličić. Ça fait 2 buts à 1 pour Grenoble, pardon. Avec un petit peu de réussite, avec ce shoot qui rebondit derrière la cage de Ronan. Alors il va combiner avec Kyle Hardy. Kyle Hardy, il a pris de la vitesse, Kyle Hardy le tire. Et ça fait 3 buts à 1 pour Grenoble. Après 10 secondes de jouer à 4 contre 4, Grenoble qui prend l'avantage. Ouais, c'est bien vu, il a bien attendu, il a bien temporisé, Sébastien Bisaillon. Le tir s'est pas fait, il a préféré par la passe à Champagne, le tir. Ça a passé juste à côté, Grenoble qui domine. Il est ça fait 4 plus 1, 2, il reprend le break, les Grenoblois. Mais quel système de passe, c'était très bien joué pour les mettre sur palais au fond. On est dans les dernières secondes. Bordeaux qui va terminer sa saison là-dessus. Voilà, les deux. Et c'est fini à Pôle Sud. Grenoble en finale de la section Prix de Ligue Magnus. Ce n'était pas arrivé depuis 2012. Les Grenoblois qui ont su se défaire en 7 matchs des Bordelais. Une grosse adversité l'a réalisée également par les hommes de Philippe Bozon qui n'auront pas démérité tout au long de cette demi-finale. Mais c'est Grenoble. Alors que la patinoire applaudisse les boxeurs, auteurs, je viens de vous le dire, d'une très très belle série tout de même, une très très belle saison. Demi-finale, poussé Grenoble en match 7. C'est vrai que Grenoble a été une très bonne équipe tout au long de l'année. Ouais, mais en tout cas, ouais, très 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 belle année de Bordeaux, hein. Demi-finale du championnat, demi-finale aussi en Coupe de France. Donc ils n'auront pas démérité les hommes de Philippe Bozon, ils reviendront plus fort l'année prochaine. Ils s'arrêtent en demi-finale comme la saison dernière. Ben, cette fois au bout du suspense. Ouais. Ben, effectivement, donc nous on se retrouvera vendredi hein, pour la suite de la compétition. Donc assister à la remise, à la poignée de main de fin de série, donc la poignée de main traditionnelle cette fois. Donc effectivement, Grenoble qui recevra Rouen à partir de vendredi à Pôle Sud pour 2 jours. On l'a dit, le match 3 et 4 sera lundi, mardi. Voilà.